Si la cour administrative d'appel a été aussi loin dans sa condamnation, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contentée d'annuler la décision, mais qu'elle a enjoint au préfet, en plus de le condamner à payer des sommes à Mademoiselle Cadet, il lui a enjoint de remettre le passeport et la carte d'identité, c'est bien parce qu'il y avait là une violation grave de la loi. C'est-à-dire que tant la police aux frontières que le préfet se sont mis hors la loi, ils ont été sanctionnés. Et à ce jour, jusqu'à ce jour, malgré mes demandes et malgré l'arrêt qui a été rendu, eh bien, ils n'acceptent pas de se soumettre à la décision de la justice et à la loi. J'attends que le préfet respecte enfin la loi et la justice, qu'il me rende les papiers pour que je puisse faire venir, faire rentrer cette Française en France. Elle a été très heureuse, enfin. Enfin, dans son malheur, elle s'est dit que peut-être il y avait un espoir de revoir son pays et de recouvrer ses droits.